Marie-Lou Berry, à l'affiche du film Nos jours heureux diffusé ce soir sur M6, est amoureuse d'un artiste très discret, qui acceptait toutefois un jour de passer à la télé pour montrer ses sublimes créations. Avant de créer en 2011 l'un des films les plus marquants de l'histoire récente du cinéma français avec Intouchable, Olivier Nakache et Eric Toledano avaient déjà fait confiance à Omar Sy en le faisant jouer dans leur comédie Nos jours heureux, sortie en 2006. Un long métrage dans lequel figure également Marie-Lou Berry. L'occasion de s'intéresser à cette dernière qui, en plus d'avoir obtenu de beaux rôles, est également épanouie dans sa vie privée. Elle est engagée depuis quelques années dans une relation amoureuse avec un street artiste répondant au pseudo du Diamantaire. Les journalistes de Télématin étaient partis à sa rencontre en 2018, alors que ses œuvres étaient exposées à la Chapelle Expiatoire de Paris. Il l'avait également filmé depuis son atelier dans le 20e arrondissement, où naissent toutes ses créations. Pour rappel, tout a commencé pour ce sculpteur lorsqu'il est tombé amoureux d'un tag graffiti dans un magazine alors qu'il était adolescent. Il a donc décidé de se lancer dans l'art et d'étudier le travail du métal. Depuis 2011, il développe un projet de street art sur le thème des diamants, collectionne des miroirs abandonnés et les réinvente en tant qu'œuvre d'art public sur les murs, indique le site Singular. Ces sculptures, exposées dans le monde entier, sont de superbes univers kaléidoscopiques qui jouent de la lumière et des dimensions à l'aide d'acier et de miroirs. Est-il donc avec cet artiste très talentueux que la fille de Josiane Balasco partage sa vie. Il a débuté en collant dans les rues des diamants peints incrustés de miroirs. Il réalise à présent de superbes pièces toujours autour du diamant. On peut le suivre sur son Instagram. Et je ne dis pas ça parce que si estime mon amoureux, expliquait-elle le concernant dans Biba en octobre 2018. Un couple très épanoui, parent depuis le 14 novembre 2018 d'un adorable petit garçon aux cheveux blonds prénommé Andy. Un enfant qui semble déjà avoir hérité de la fibre artistique de son papa, comme l'indiquait ce dernier sur Instagram en juin 2022. Un artiste en devenir, comme son père et sa mère ? Affaire à suivre.